Yep tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo comme vous pouvez le voir. Alors oui, je monte tout le temps mon serveur TeamSpeak pour ceux qui veulent venir, il est dans la description. Faites-vous plaisir, voyez que voilà, je peux accueillir 55 personnes. Bon, moins un, 54 personnes, c'est déjà bien. Alors aussi, il y aura des vidéos sur Ghost Recon Wildlands, la bêta. J'espère que ça va vous plaire. Et je mets 15 minutes à le télécharger, mais vous allez dire, what the fuck? Et oui, voilà. Comme je vous ai fait la vidéo pour booster votre connexion, vous voyez que ça marche bien. Je fais du 25-26. Ça fait autant plaisir. Et on se retrouve pour le crack de, comme vous pouvez le voir, de Codex Raid.2. C'est parti, vous double-cliquez, vous faites continuer. Vous allez, vu que là, il faut Diamant Tools, si vous faudra Diamant Tools, normalement, vous l'avez. Tout le monde l'a, Diamant Tools. Bon, Jaco, tu te dépêches. Hop, faut regarder. Bon, moi je préfère faire ça. Hop, je vous dis à mon tour. Ah oui, n'oubliez pas de venir. Complètement gratuit. Alors, quand vous allez arriver, vous serez sur nouveau quoi. Et vous allez hop, venir ici. Vous switch en fait. Je vous explique. Et moi, vu que moi je suis connecté, venir, vous mettre guess. Et vous avez la chandelle. Bon, pour l'instant, si vous voulez me parler, vous pouvez venir. Challenge 1, tu m'envoies un message. Mais je crois que je suis noob. Non, ça va, tu m'envoies un message, pof, voilà, tu fais ça, non, bon, je peux pas m'envoyer un message tout seul, moi, demander, demande, voilà, après tu fais ce que tu veux, il s'ouvre, au bout de quelques minutes, il s'ouvre, what the fuck, mais Ghost Recon Open Beta, alors là, vous faites sauter le tutoriel, enfin, c'est, voilà, alors là, vous allez faire un petit montage rapide, ou sinon, vous double-cliquez dessus, hop, téléchargement, Ghost, voilà. Hop, il est en train de monter. Voilà. Et juste voir ici que ça va l'afficher. Il faut que ça soit monté. En fait, c'est un genre de CD virtuel, en fait. C'est un peu chelou à expliquer. Voilà, alors vous avez fait ça. Vous avez juste à aller sur votre bureau. Et voilà, il est juste ici. Hop, on va cliquer dessus. S'il veut bien. Voilà. Alors là on a le setup et là on a Codex. Alors qu'est-ce que c'est Codex? C'est pour le crack. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas plus facile. Hop, là vous allez double-cliquer sur setup. Si lui aussi veut bien se lancer, ouais. J'ai un jeu aussi en arrière-plan. Excusez-moi pour la musique, excusez-moi, c'est pas fait exprès. Voilà, et là vous allez faire juste, a priori, vous voulez voir où vous voulez installer. Moi c'est dans H. Et install, voilà. Vous n'avez plus qu'à faire ça. Et voilà, ben là comme vous pouvez le voir, ça va s'installer. Alors. Je pense que c'est pas aussi rapide que tous les autres jeux. Non, c'est pas aussi rapide. Bon, on se retrouve pour la fin de la vidéo juste après. Et nous revoilà pour la fin de la vidéo. Alors, vous voyez que ça a été téléchargé. Vous avez fait finish. Hop, il est là. Raid 2. Je vous montre bien. Hop, vous allez faire clic droit sur le Raid 2. Ça va bien se mettre. Ouvrir l'emplacement du fichier. Tac, vous allez mettre sur le côté. Hop. Sur le jeu, Codex, les Steam API, et vous allez tout glisser ici. Hop. Voilà, là vous faites copier remplacer. Voilà, vous avez mis tous ces Steam là, et là normalement vous pouvez lancer Raid 2. On se retrouve sur Raid 2. Raid 2. Raid 2.